Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui je vous présente tout ce que j'aurais dû vous montrer cet été et que j'ai pas réussi à vous montrer. Je m'explique. Donc cet été c'était la première saison où je m'étais vraiment lancé dans les vlogs de prestations, donc j'avais prévu d'en faire plein. Et au fur et à mesure de l'été, j'ai eu un été très intense et très honnêtement, en fait au bout d'un moment j'avais plus l'énergie, j'arrivais plus à suivre entre mon travail la semaine et mes prestations le week-end, j'arrivais pas à, en plus de la prestation, me rajouter un vlog. J'ai essayé, hein, j'ai tourné pas mal de plans, mais en fait j'arrivais pas à tenir, à faire un vlog complet. Ça me demandait trop d'énergie, trop de réflexion, et du coup j'arrivais plus à suivre, c'est pour ça que les vlogs se sont arrêtés à un certain moment. En revanche, j'ai quand même pas mal de plans de ces différentes prestations, donc j'ai quand même décidé de vous faire une vidéo pour, bah voilà, pour vous sortir pas mal de plans de différents mariages que j'ai pu faire cet été, et donc c'est le but de cette vidéo, donc voilà, c'est une sorte de compile de vlogs mais pas complet et de choses qui auraient dû sortir mais qui sont pas sorties et en même temps qui sont un peu incomplètes. Mais voilà, je me suis dit que c'était dommage de pas vous montrer tout ça, donc voilà, j'ai essayé de faire un montage qui rende la chose quand même intéressante pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour soutenir la chaîne. On passe aux séquences de vlog. Multi-vlog, je suis dans une super tente, une magnifique tente. C'est que le sol est très en pente. Je vais vous mettre la caméra droit. Voilà, là par rapport à mon iPhone, j'ai la caméra droit. Il me dit que je suis plat. Vous voyez, c'est pas plat du tout. On est en pente, c'est pas grave.
Donc voilà l'installation. Elle n'a pas beaucoup évolué, si ce n'est le petit néon. Donc aujourd'hui, je suis vers Cluny, donc un petit peu au nord de Lyon. Mariage chez les gens, c'est-à-dire dans leur maison privée. Ils ont un grand jardin, donc c'est très pratique. C'est pas un très gros mariage, c'est 130 personnes. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites vous, mais moi, 130 personnes, je fais rarement aussi peu, entre guillemets. Donc c'est cool, il fait super chaud, mais heureusement pour nous, la température se rafraîchit bien ce soir. Ce qui est trop bien, c'est que ce soir, c'est un cocktail dînatoire, donc il n'y a pas de dîner, il n'y a pas de table. Uniquement une belle piste de danse en parquet comme ça. Donc comme je vous l'expliquais, c'est un petit peu en pente, mais en vrai, je pense que ça devrait aller. Voilà mon install. Donc mon install, elle est assez habituelle. J'ai mis au loin les soirs mouaches dans chaque angle. L'autre, il est en face. Là-bas. Ensuite, on a les deux lyres. Donc, c'est les Chauvet DJ Intimidator Spot 70. Non, Spot 60, c'est des 70 watts. Voilà. ILS, évidemment. Une est là, l'autre est là. Ça rend super bien. Attendez, j'agrandis. Voilà. Ma sono, elle marche trop bien. J'en suis trop content. Même si j'ai des projets autres pour l'avenir. La vraie nouveauté, c'est mon néon, dont je suis super fan, que j'ai effectué en collaboration avec la boîte à néon. Et j'ai une vidéo qui est dédiée, que je vous présente bientôt. Donc, je vous en parlerai, mais bref, j'en suis très très content. Pour ce soir, vu qu'on est en extérieur, bah le brouillard, c'est un peu compliqué. J'ai sorti la machine à fumer parce qu'elle a pas mal de pression, donc si je veux envoyer un peu de fumée, ça marchera. Et c'est vrai que le marié m'a dit qu'il était fan de fumée sur la piste de danse. Donc j'ai sorti la grosse machine à fumer. Tout le reste, c'est vraiment comme d'habitude. Il y a tout qui marche bien, j'ai une lyre qui me fait un petit défaut de temps en temps, elle fait un petit bruit strident, une sorte d'ultrason. Je sais pas pourquoi, j'en ai discuté avec Chauvet DJ, ils savent pas trop. Pour l'instant, à étudier, mais en tout cas, bon, ça n'empêche pas le fonctionnement, ça marche. Voilà, franchement, je suis hyper content. Alors, il faut absolument que je vous montre en presta, mais ce soir, ce sera pas adapté, il faut que ce soit en salle pour que ce soit pertinent. Mais les nouveaux produits Chauvet que j'ai, à savoir donc ma machine à brouillard et les Easy Beam, qui sont donc des un peu comme des par LED, sauf que ça fait des beams et non des par, enfin et non un effet wash. Ça rend super bien, c'est vraiment trop cool, mais il faut que je le fasse au bon endroit au bon moment. Là, c'est pas du tout adapté un mariage sous tente comme ça, c'est vraiment pas adapté à ce genre de matériel. Donc ça sert à rien que je l'installe pour vous le présenter ici, étant donné que je le rangerai juste après. Donc on va pas perdre du temps inutilement. Je suis très content de cette installation là que j'ai faite aujourd'hui. Franchement, ça va hyper bien avec le côté champêtre, les plantes qu'ils ont juste là, les plantes derrière. Mes petites plantes vertes à moi aussi, je trouve que ça fait un bon rappel, ça matche bien. Je suis assez content. Thank you.
Ça, c'est du cocktail. Ça, c'est la classe. Magnifique. Verre de coca, petite lumière buse. Et mon pote le porte-avions. Les gens, quand ils viennent en mariage, viennent avec des véhicules vraiment stylés. Il y a des beaux véhicules et tout. Vraiment trop la classe. C'est tout, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir un peu ces différents extraits vidéo de différents mariages que j'ai réalisés cet été. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à mettre un commentaire si vous avez des réflexions à me faire par rapport à ces images. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!